Salut, salut, on se retrouve ce soir pour une vidéo carte. Donc on va faire une carte ensemble, on va faire ce style de carte. Voilà, enfin, je ne sais pas pourquoi je la retourne. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors pour faire cette carte, nous allons avoir besoin... Je nettoie un peu mon tampon. Parce que du coup, il y a encore de l'encre dessus. Alors, nous allons avoir besoin, il va falloir que je me lève les mains aussi, une carte, un fond blanc, donc 2, 10 et demi, je crois, 10 et demi sur 14 et demi, et vous mettez en centrale un bout de scotch de peintre, là, vous savez, ce scotch-là. Vous avez besoin de deux truc de post-it pour la fleur que vous allez utiliser. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser cette planche de tampon de Chaction. En l'occurrence, je vais utiliser cette fleur-là. Et cette planche-là pour utiliser le branchage qu'il y a là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé cerise carmin et cuvette de cassis de chez Stampin' Up. Mais vous prenez l'encre de couleur que vous avez à la maison. Vous n'êtes pas obligé de prendre des Stampin' Up, hein. Ça marche très bien avec des autres encres aussi. Et vert jardin. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le présent parce que je ne l'utilise pas. Alors c'est parti, on va prendre la plaque et on va tamponner déjà les foncés. Vous mettez de moitié moitié, une partie sur votre carte, une partie sur votre scotch ou un quart, voilà quoi, vous positionnez comme vous avez envie, mais il vous faut absolument une partie sur le scotch et une partie sur la carte. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas de scotch, vous la faites entière. C'est pas très grave parce que de toute manière cette partie-là sera recouverte. Ensuite, vous prenez. Pourquoi j'ai rangé mon tampon? J'en ai encore besoin. Vous prenez. Donc ça c'était cuvée de cassis. Je prends une autre couleur, un peu plus claire, cerise carmin. Et je vais mettre mes tamponnages pour protéger les fleurs que j'ai déjà faites. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai un peu... Ah non, j'ai cru que j'avais débordé, mais non. Et ça... On va prendre celui-là, j'y verrai plus clair. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Non, c'est pas cette fleur-là. C'est pas cette fleur-là. Voilà, on va mettre celui-là. C'est bon. C'est mieux. Voilà. Vous le mettez bien dessus. Et vous venez en tamponner deux. Voilà. Vous enlevez ça. Vous n'en avez plus besoin. Vous enlevez. Si vous en avez encore besoin, je dis des âneries. Vous nettoyez votre tampon. Par contre, vous pouvez ranger le tampon fleur. Et vous prenez votre branchage. Voilà. Vous remettez votre fleur. J'ai tellement tamponné que je vois même plus dans quel sens ça va. Voilà.
Voilà. Vous faites pareil à côté. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Vous voyez toujours, j'espère, parce que la lumière tombe. Je suis dans la véranda. Voilà, super. On fait pareil en bas. Au bout d'un moment, vous voyez plus où c'est que c'est. Hein. Je vous dis, hop, on va mettre grosso modo. Voilà. Ensuite, ça vous en avez plus besoin. Vous gardez votre pad. Vous enlevez le scotch. Vous auriez pu le laisser aussi. On va le remettre. Par sécurité, on va le remettre. Juste par sécurité. Non, voilà. Non, j'en ai pas besoin. Je suis douée avec mon pinceau, donc ça va le faire. Vous prenez votre pinceau. Vous prenez l'encre que vous avez utilisée, si vous pouvez le faire. Ça me perturbe, il sera vissé à l'envers celui-là. Voilà. Et vous venez peindre vos... Je mets pas mes lunettes, je vois rien. Vous venez peindre votre tamponnage en fait. Donc ça, je l'accélérerai. J'ai envie d'en avoir pour une plombe.
ça c'est fait. Ensuite, du coup, vous voyez, ah, il me reste un morceau là que j'ai pas fait. Voilà. Du coup, là, j'ai des trucs. J'ai pas de. Alors, du coup, je vais prendre. Elles sont où mes aquarelles métalliques? Elles sont là. Hop. On va mettre un peu de paillettes sur tout ça. Parce que moi, j'aime bien les paillettes. Comme vous pouvez remarquer, j'en avais mis là. On va prendre du rose comme ça. Alors, c'est juste pour faire un petit voile léger, juste pour les paillettes en fait. C'est un voile léger que vous passez par-dessus. Alors, par contre, vous pouvez faire vos fleurs entièrement. Si vous ne voulez pas les faire à l'encre, vous les tamponnez à l'encre et vous les colorisez. Aux aquarelles métalliques de chez Action, hein. Vous pouvez le faire ça aussi, hein. Moi je sais que j'aime bien, je les adore, hein. Franchement je suis fan de ces aquarelles, j'en mets partout aussi parce que j'aime le rendu, j'aime le rendu. Par contre il faut que ce soit léger, hein, parce que sinon ça va recouvrir votre encre et là en l'occurrence c'est pas le but. Ouais, j'aurais pu mettre un peu plus de couleur là. Mais là, c'est pas le but de recouvrir votre encre. Hein. C'est vraiment pour mettre un peu de paillettes, quoi. Je n'aime pas ce truc. Je sais pas pourquoi je l'utilise d'ailleurs. Je n'aime pas. Voilà, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va prendre un chouïa de violet. Voilà, ensuite, ça, is good. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut calculer l'espace entre les deux fleurs, 4,5. Alors, un bout de papier, on va mettre ça de côté. Bon, la lame elle est un peu foirée de celui-là, là. Mais bon, je vais le finir. Et là, je vous ai dit 14,5. J'ai la flemme d'aller chercher mon temps qui n'a pas jamais. Voilà. On va tamponner. Un mot, est-ce que je l'ai encore là sous la main le mot? On va prendre le mot plaisir. Hop.
puis la mer se met ici. Du coup, voilà. Alors, on va faire des mousses. Alors, soit vous mettez ça, soit vous mettez un bout de mousse double face là, en rouleau. J'aurais pu mettre ça aussi, mais j'y pensais après. Du coup, on va mettre ça comme ça. Voilà, vous avez mes cheveux et vous venez le recoller. Voilà. J'avais fait un truc qui était quand même mieux que ça. J'avais fait Léo, mon stylo là et ma règle. J'avais fait ça comme ça de façon à pas avoir la limite, mais. Moi, je suis quand même faire une petite coupe. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez du papier décor. Où est-ce que je l'ai mis? Donc, il est là. Oh ben, donc, il est là, mon morceau. Hop. On a déjà un peu. Là. Est-ce que c'est la bonne taille? Impeccable. Donc vous prenez votre papier décor, vous venez coller votre carte dessus, mais vous pouvez aussi refaire ce
que j'ai pas fait sur l'autre. Hein. Mais bon, elle n'est pas obligée d'être identique non plus. De toute façon, elle n'est pas identique du tout. Puisque là, j'ai pas mis de paillettes comme sur l'autre. Là, j'ai mis l'aquarelle métallique. Chaque action pour changer un peu. Voilà. Un chouïa de colle là-dessus. Alors, comme vous voyez, j'avais fait un essai tout à l'heure. Mais du coup, j'ai réutilisé la même feuille. Moi, je jette rien. Quand je peux réutiliser, je réutilise. Donc, je jette, mais je jette pas grand-chose. Voilà. Ensuite, vous prenez... Alors, est-ce que ça, c'est assez grand? Non. Une carte noire. Un faux noir. Donc ça, ça fait 15, on va prendre 15,5. Là, je prends 23. J'ai ça, 23, donc 11,5. Et là, vous prenez votre scotch double face. Hop. Hop. Et bah super Rachel, super quoi, tu les aimerais, t'as raison. Voilà. La petite carte est terminée. J'espère que le tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aime bien. Je sais pas, ça change un peu. Et puis, ben, au moins, ça fait passer ses c'est en couleur nos tamponnages. Et c'est ça qui est super intéressant dans cette carte. Regardez. Là, du coup, vous avez le reflet. Je sais pas ce que j'ai fait d'autre. Un peu de fouiller sur mon bureau ce soir, j'avoue. Du coup, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Et... du coup, là, vous voyez, j'avais mis la paillette. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, j'ai mis l'aquarelle métallique de chez Action. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est rigolo. Ça change. Et puis, en plus, je ne les ai même pas collés dans le même sens. Donc, c'est rigolo. C'est plutôt sympa. Je me suis dit, oh là là, je l'ai mis à l'envers. Mais non, en fait, il n'y a pas de sens. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que ben, deux cartes, c'est deux cartes différentes. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.